Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour un let's play avec un jeu que je n'ai jamais essayé, qui est sorti il y a un moment. C'est Just Cause 3. Alors, je ne savais même pas qu'il y en avait eu deux précédents, donc je découvre, voilà. Je sais même pas c'est quoi le style de jeu, ça fait un peu peut-être du GTA, je sais pas du tout. Nous allons voir ça. Connexion. Attente de chargement. J'espère que c'est pas trop long. Donc je ferai d'autres petits let's play de plein de jeux que j'ai depuis un moment, que j'ai jamais eu le temps de jouer. Donc on verra ça ensemble. Voilà. Encore des petits chargements. Oula, c'est quoi ce jeu? Ouais, c'est un jeu à la GTA ou... Ouais, c'est à la troisième personne, je pense. Ils disent quoi? Un piraté. Oula, je sais pas si je vais aimer encore ce genre de jeu. Ah, ça a l'air bien fait. Faites une roue arrière à moto. En tout cas, les temps de chargement sont très longs. Très très longs. Très 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 longs. Mais j'ai pas envie. Non, merci. Alors, commencer. Je peux commencer? Ah, une petite cinématique pour nous présenter l'histoire. Ces festivités annuelles viennent C'est beau! général Sebastiano di Ravello, chef autoproclamé de ce petit état. Ouais, je vais peut-être aimer ce jeu. Waouh! Rico Rodriguez. C'est marrant, son bras, sa main mécanique, je peux. Soit je me concentre sur ce jeu et je fais que des vidéos sur ce jeu, ou soit je fais plusieurs jeux. Je sais pas, mettez en commentaire ce que vous préférez. Moi je pense que c'est un GTA like. C'est à toi. Oh, qu'est-ce que j'en sais? Hey, si ça se trouve, y a même rien du tout. Ah, je m'installe bien. Ah, voilà. Alors, c'est chiant que le fil de mes écouteurs soit trop petit. C'est pas pratique. Rien n'a changé depuis Panao. C'est pas de notre sort. Je t'explique, Sebastiano di Ravello a le cul sur une tonne de bavarium. Ce qui fait de lui le tout meilleur pote de l'agence. Je suis en train de même pas lire. Je suis dans le chou aujourd'hui. Et joyeux Noël, hein, au fait. Donc je sais pas si ma vidéo sera postée le 25 ou le 26. Peut-être, ouais, le 25. Donc joyeux Noël.
On va fêter Noël avec ce jeu. Bien, bien. On y sera bientôt. Ça devrait le faire. Maintenant... Qu'est-ce que tu comptes faire, fiston ? Agir. En douceur. C'est parti ! En tout cas, il est bien armé. Waouh, c'est bien fait quand même. Allez, saute. Ah, c'est marrant le titre. Ah, c'est classe. Oula, je tire dans le... Comment on... Détruire ça. J'ai bien visé ou pas? Bah, je sais même pas si j'ai réussi. La lune. Oh là là, ça. J'ai réussi. Ouais. Quoi, comment? Ah oui, là. Allez, vas-y, bam. Détruire. Non, j'ai pas détruit. Là, j'ai détruit. Oh là là. C'est pas réaliste, hein, normalement, avec le vent et tout ça, on tombe. Voilà, pas. Voilà. Utiliser le grappin, elle. Mario ? Sauter. Ah oui, c'est bien ça. Ouais, c'est rapide. La milice est là. Butez-les tous. Oups. Ouais, je te parle de la milice. Alors attendez, je suis en plein dedans, je sais même pas comment qu'on manie les trucs. Comment ça brite? Ils pourraient dire les touches, non? Bah non, ils disent pas les touches. Ils disent pas les touches, ils sont sympas, hein. Bah, je suis pas mort. D'accord. Ça fait une paye, mon vieux. T'arrives juste à temps, mon pote. La milice de Diravelo, il m'aura tué, c'est sûr, il... Bien joué, Mario. T'as appris 2-3 trucs depuis mon départ. Ouais, et toi, t'as pas changé, hein. Tu te mets toujours pas à couvert. Faut que tu penses bien à te protéger. C'était complètement dingue. Je t'ai vu arriver sur l'avion. Miaou. Et t'étais genre... Zoupam. Zoupam. C'était hallucinant. Je suis... content de te revoir. Ça me fait aussi plaisir, Mario. Les rebelles... ils sont en danger. Faut qu'on y aille. Hé, hey, Mario. Je conduis. D'accord. Ouais. Bon, il faut que j'apprenne. Oh, grappin. D'accord. Elle est là. Ok. Oh non, j'ai mis une grenade. Punaise.
Mais il pourrait dire les touches. On sait pas. Et du coup, j'ai pété la voiture. Bon, au moins, c'est drôle. On arrive. Accélère, Rico. Ouais, bah avec la bagnole qu'on a maintenant. Ah, y'a que moi pour faire ça. Mais en même temps, je connais pas. Faut que je me familiarise. Un coup, la voiture explose. Oh là. T'arrête pas. Oh là là, ma bagnole. Ah là là là. Moi, je pense que je vais recommencer. Oui, je pense aussi. J'ai du mal à manier, comme elle est un peu crabossée. Avance. Ah là là. Avance. Oh là là. On y est presque, 500 mètres. Oh là là, ma voiture. Je vais mourir. Elle va prendre feu. Genre, elle prend feu. Elle a explosé. Voilà. Bon, bah, on va recommencer. Mais honnêtement, ils disent aucune touche. Au début d'un jeu, normalement, ils mettent un petit tuto rapide. Hein. Je veux pas dire. Hein, mais. Voilà. Donc, il y a plein de trucs que je sais pas faire encore. Oh là 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 là. Bon. Alors, c'est long. Ah, qu'est-ce que c'est long. C'est trop long. Oh. Oh là. Triangle. Mario. On y va. On est coincé. On arrive. Accélère, Rico. C'est marrant, il s'appelle Rico, c'est mon prénom en espagnol. Et mon surnom. Un de mes surnoms. Parce que j'en ai plein. Mais Rico, c'était un de mes surnoms. Alors. C'est pas facile à manier quand même, je veux dire. C'est pas comme GTA. Bon, là, il faut foncer. Bam. Alors, est-ce que vous êtes sérieux, les gars? Est-ce que vous êtes sérieux de commencer aussi dur? Hein? On a dit une mission de milieu de jeu. Gardez! Mais non, mais c'est pas... C'est trop dur à manier! Je peux pas tirer, moi aussi. Non. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la connerie de ce jeu? Non, mais c'est pas possible! Mais pourquoi j'ai sorti en parachute? Mais c'est quoi ce jeu? Mais c'est pas possible. Je peux pas courir plus vite? Eh, je déteste déjà le jeu. J'ai essayé d'appuyer sur croix pour tirer sur les trucs et ça me fait en parachute. Non mais. Ils sont graves. Ils le disent même pas. Là, ils le disent. Maîtrisez votre équipement en tout petit. Ouais, j'ai une super vue. Oh là là. Je vais jamais réussir juste le début du jeu. Je suis sûr que vous adorez le jeu. Vous connaissez. Mais moi, je l'aime pas. Je l'aime déjà pas alors que ça a l'air super. Il pourrait commencer par une mission un peu plus simple. Je sais pas. Mario. GTA, tu peux tirer. Là, je suis tenté d'appuyer sur croix. J'ai encore sauté en parachute. Mais pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils mettent les touches là? Ok. Ah, je vous dis, moi, là, je suis lassé, là, déjà. Frein à main, t'es obligé de faire un frein à main pour tourner le virage, quoi. La voiture, elle s'est pas tournée quand tu tournes. Pas du tout logique, hein. Regardez, elle met 3 ans à tourner, quand elle tourne sec. Et elle va directement dans le décor.
elle est sensible quand elle veut, quoi. C'est fait vraiment exprès pour te durcir la partie. Regardez. Aïe, 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 j'aime pas. Là, j'aime pas la maniabilité de la voiture. Ah, j'aime pas ça. Ah, j'aime pas. Je suis peut-être un des seuls à pas aimer. Mettez en commentaire si vous, vous aimez ce jeu, si vous aimez la maniabilité, si on s'habitue, parce que là, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal. J'ai pas envie de faire du frein à chaque fois. Ça me fait tourner complètement le frein, vous voyez ? Allez, hop, dégage. Bon, toi, mais qu'est-ce que tu fais sur la route ? T'es sérieux ? Rendez-vous. J'ai éjecté une voiture, c'est pas réaliste. Et... rejoignez les rebelles, mais j'y suis, non ? Bon, moi qui ne sais pas encore viser, j'aimerais bien me mettre à couvert, mais... tiens, manger ça. J'aimerais bien me mettre à couvert, mais je connais pas la touche. C'est n'importe quoi, hein. Franchement, vous êtes d'accord? Allez, hop, une grenade. Plus de grenade. Voilà. J'aimerais bien me mettre à couvert. Il y a trop d'ennemis, je vais crever. Rejoignez les rebelles, mais j'y suis, tête d'âne. Mais t'es qu'une tête d'âne. Là, j'en tue un, deux. Oh là là, j'aime pas. Je crois pas que je ferai plusieurs parties. J'aime pas. Putain, heureusement qu'on meurt pas facilement. Hein. Je sais même pas. D'accord. C'est bon ? Ouais, non, encore. La façon de viser, c'est pourri, honnêtement. Il n'y a même pas les le L1, L2 là pour viser. C'est trop. Bon, à part le grappin, c'est... j'adore le grappin. Allez ! Le parachute pour croix, mais vous êtes sérieux, les gars ? Genre t'as besoin du... genre t'as besoin du parachute et dois-je me mettre à couvert? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Regardez, je peux pas mettre... j'ai fait toutes les touches. J'ai fait toutes les touches. Bah le jeu il est pas... pas... voilà. Il est pas comme j'aime. Il y a une grenade, super. Oh là là. Il n'y a même pas une visée. Pff, c'est nul. Mais génial. Ah, je fais crâler, il m'énerve ce jeu. C'est où les autres? C'est bon, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il a le jeu? C'est quoi ça? Les toilettes? Pourquoi il y a un truc qui vise? Ah, je comprends vraiment le jeu. Il y a un blindé. Ah d'accord. Bah faut peut-être aller dedans, tout simplement. Et je fais quoi? Il est coincé le blindé? Bah c'est pas ça, faut pas monter dedans. Mais je peux pas descendre! Il tire sur qui? Il y a quelqu'un, quoi. Bah voilà, le dernier qui était caché depuis tout à l'heure, là. J'ai trouvé Dima. Elle est coincée dans la ferme. On a des ennuis. La ferme est compromise. Ah, mes aïeux. Oh, mais qu'est-ce que tu montais dans l'hélicoptère? Oh.
Ouais, alors ça va être trop chaud. Bien le bonjour, citoyen de Medici. Il semblerait que je sois la nouvelle voix du réseau d'actualité du général, votre seule source légale d'information. Encore une semaine record pour Diravelo. On signale quelques vagues protestations contre le gouvernement, mais nos troupes sont d'ores et déjà en route pour aller anéantir la dernière poche de résistance. Vive Medici. Comment je vais te rire? Oh là 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 là. Oh là là, 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 oh là là. Je sais pas si j'atterris là. Je suis en plein dedans encore. Je déteste ce jeu. Vous êtes témoin encore. Ben, je sais que je suis mort, mais... Vous faites tellement n'importe quoi, on sait même pas où atterrir. Même quand on atterrit, on se prend, je sais pas, un arbre, un truc. La 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 la. Bon. Je pense que je vais bientôt arrêter la vidéo, parce que c'est pas... Je pense que je vais supprimer même le jeu, j'aime pas du tout. Et on va plutôt se concentrer sur Assassin's Creed ou un autre jeu que j'ai téléchargé. Même Metal Gear, je pense que ça sera un peu mieux. Enfin, on verra. Je suis tellement difficile dans les jeux en même temps. Voilà, ça sera un peu la vidéo où je fais le râleur. Ah bah c'est bien, ils m'ont mis là. Bon, un bon point. Donc personne se met à couvert hein, dans le jeu. Enfin, j'arrête pas de le répéter. Mais... En plus, pour viser, vous prenez le joystick de droite, c'est génial. J'ai jamais fait ça dans un jeu, quoi. Mais si tu te mets devant, Coco, je vais te viser, hein. Oh. Oui, super, on est content. Oui, on est heureux. Utiliser la mitrailleuse. Oui, je veux bien, mais... Quoi, je dois monter par où? Ah oui, grappin, c'est ça. Ah non, c'est pas cette touche. Et ça sert à quoi d'utiliser? Yeah. Ah ouais, Lisa. Non, punaise, ça c'était marrant par contre. J'avoue, j'ai bien aimé. Ça c'est des agneaux, quoi. Voilà, et là-bas. Le pointeur est tellement fin, on n'y voit rien du tout. Il y a un hélicoptère en fait. Il y a qui me vise là? Juste des petits bonhommes. Voilà. Bon, c'était un peu mieux ça. Enfin, j'ai réussi, t'as aidé. On fait... C'était un top mieux. Frigo et compagnie. Il s'arrache déjà l'histoire à Hollywood. Waouh, j'ai trop la classe. Ah, enfin te voilà. Dima, Dima Aliumar Al-Masri. Le radius est intact, le scaphoïde aussi. Ah, c'est un ancien modèle de grappin. Obsolète, faut l'améliorer. Viens dès que tu as un créneau. Ou un crénelage. Ah, je vais devoir me documenter un peu. Dima, je suis content de te voir aussi, Dima. Oh, coucou. Mission réussie. Ton grappin n'est toujours pas à jour. Viens voir. Bah, est-ce que j'arrête? Oui, il faut faire.
nouvelle mission. Je sais pas si je fais encore. Je ne sais pas. Bon. Ah, c'est une opération dangereuse, la rébellion à Medici. Suis-moi. Je te montre un truc sans aucun lien avec des clones. Allez, viens. Oh là là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, on a été prudent, précis, très attentif, pas comme... Dima. Rappelle-toi le Guatemala. Je ne suis pas faite pour le terrain, mais tu m'as sauvée. Après cette histoire-là, on m'a chargée d'étudier le Bavarium qui n'existe qu'à Medici, c'est étrange. En plus de ses propriétés magnétiques, le Bavarium, une fois raffiné, devient un explosif puissant ou un intéressant carburant mal utilisé. Oh, Rico, il est mal utilisé. T'inquiète, on va arranger ça. Je sais que je peux compter sur Mario, Dima. Et sur toi? J'ai commis beaucoup d'erreurs, Rico. Le pardon commence par l'action, Dima. Oui, mais je... Fini les excuses. Je vais t'aider. Je te retrouve à l'avant-poste, Guardia Alpha. Tu m'aideras à tester un nouvel équipement. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Rico, lance ton grappin et pendant que tu rétractes, ouvre ton parachute. Mais... Ah. J'ai pas envie d'ouvrir le parachute. Bah non. Mais... Pas terrible dans la maniabilité. Rico, utilise ton grappin. Quand tu... Mais c'est ce que j'appuie, mais... Parachute pour t'envoler. Ah d'accord. Mais ça sert à quoi, ça? Mais ça sert à rien. Sérieux. Il avance pas plus vite. Non. J'irai voir la note de ce jeu, parce que j'ai l'impression d'être vraiment difficile par moment. Que là, quel est l'intérêt? Quel était l'intérêt? Je savais faire ça. Ouais. Attends, attends. Quoi? Attends. Bien. Ah, explosion évitée. Une explosion? Ah, aucun danger. Est-ce que ça va? Ah, oui, bouge. Très bien. Je serai là pour t'aider, en cas de problème de conception. Hein? Tu n'as pas peur de voler, dis-moi. Mais non, un agent acrophobe. Ridicule. Oh, c'est des rebelles. Bonjour. 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 Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Ah, la technologie est en marche. J'ai mis à jour ton grappin. Ah, le risque de... Je pense qu'on va s'arrêter là, hein, mes chers abonnés. Relier deux objets. Je vous remercie d'avoir regardé. Mettez en commentaire si vous voulez la suite. Moi, j'ai pas trop envie de la faire. Mais si vous voulez vraiment la suite, je ferai la suite. Sinon, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse le Assassin's Creed qui était gratuit sur le PlayStation. Voilà. Bon, bah, je vous dis à bientôt. Salut! J'ai remarqué que les rebelles avaient du mal à escalader les clôtures. Leur régime alimentaire, peut-être? Je sais que vous avez beaucoup souffert. Mais là... Ça change absolument tout. Avec cet appareil, je peux détruire entièrement l'avant-poste. Sans aucune balle.